Depuis qu'il a quitté Matignon, Jean Castex tente de renouer avec un quotidien ordinaire. Dans la foulée de son remplacement par Elisabeth Borne, l'ex-premier ministre est notamment retourné dans les Pyrénées pour se reposer. Mais, Le Devoir a fini par le rappeler. Emmanuel Macron a vu en lui la personne idéale pour le poste de président directeur général de la RATP. Ainsi, depuis sa prise de fonction en novembre 2022, Jean Castex multiplie les échanges et la présence sur le terrain pour remettre sur les rails les transports parisiens. L'ex-locataire de Matignon n'hésite pas également à côtoyer les usagers franciliens lors de ses trajets personnels. Jean Castex a notamment été vu dans le métro parisien, par un internaute, qu'il a photographié et partagé sur Twitter ce mercredi 12 avril. Celui qui aurait l'élection présidentielle de 2027 dans un coin de sa tête y apparaît souriant, en costume cravate, le pouce de la main droite levé. Jean Castex semble se trouver dans une rame bondée de monde, son visage étant collé aux portes. Jean Castex, un habitué des transports parisiens, cette photo n'a pas tardé à faire réagir les utilisateurs de Twitter. Son geste amusant les a notamment interpellés. Alors j'avoue, le petit pouce en l'air il me semble sympatoche, ou encore le métro aux heures de pointe et le pouce en l'air me le rendent subitement sympathique, ont notamment écrit deux internautes. Un autre y a vu un parallèle avec la pochette de l'album La Fête est finie d'Orelsan. Le chanteur de 40 ans y apparaît dans une rame de métro, entouré de personnes, la main posée sur la porte d'entrée et de sortie. En commentaire de la publication, un internaute a affirmé croiser presque toutes les semaines Jean Castex dans le métro. L'ancien premier ministre avait déjà été photographié par des internautes en septembre 2022 alors qu'il se trouvait assis sur un strapontin, un sac à dos à ses pieds, le regard perdu dans le vide. L'ancien maire de Prades avait également été vu dans les transports parisiens en juillet 2022. Cela s'explique notamment par le fait que Jean Castex a refusé la voiture de fonction et le chauffeur alors que les anciens premiers ministres peuvent y prétendre pendant 10 ans. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.